Bonjour. Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je me rends compte que je suis coiffée n'importe comment. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, quand vous êtes là. Je vois que je commence à y avoir des vues. N'hésitez pas, un petit pouce levé. Un petit coucou que je vois qui est, que je vois qui est là, oui, c'est ça. En attendant, je prépare mon rouleau à pâtisserie. Alors, je vois Evelyne, je crois, Nathalie. Coucou. Je finis ça et puis on va y aller. C'est ça, Evelyne. Coucou Nathalie, coucou Evelyne. Comment allez-vous en ce lundi soir? Alors, ce week-end, en faisant mes courses, voilà, je suis prête, allons-y. Donc, ce week-end, en faisant mes courses, j'ai acheté un brocoli. C'est pas un légume que j'ai l'habitude de cuisiner, mais quand on l'achète, quand j'en achète un, c'est rare que je le fasse juste à la vapeur, parce que bon, c'est pas forcément un légume hyper sexy. Donc, je voulais vous proposer deux recettes que je vais faire ce soir pour moi. Ça me permettra de faire mon repas pour demain midi également, à base de brocoli. Donc voilà le thème de la soirée. Coucou Alice. Donc j'ai préparé une pâte brisée à l'avance pour faire une tarte au brocoli. J'ai un peu changé mes plans au dernier moment parce qu'en fait à l'origine c'était une tarte au brocoli jambon. Et puis je me suis rendu compte que j'avais dans mon réfrigérateur un reste de blanc de dinde qu'on avait cuit et puis le reste d'escalope en fait que j'ai sous vide. Donc du coup je vais l'utiliser. Ça m'évitera d'utiliser mon jambon. Et j'ai également une soubressade que j'ai achetée ce week-end. Donc je vais mettre également parce que j'ai peur que juste la dinde comme ça fasse un petit peu fade. Donc j'en mettrai un petit peu pour faire un peu de goût. Coucou Corinne. Donc voilà pour la tarte. Et comme il restera probablement un petit peu de brocoli, je ferai un flan tout simplement. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai pas ma farine pour fleurer ma pâte, mais c'est pas grave. Donc je commence par étaler ma pâte. J'espérais pouvoir le faire avant que vous arriviez, mais enfin avant l'heure surtout. Mais j'ai plus le temps. Donc bon, si vous n'avez pas le temps ni envie de faire une pâte brisée, vous pouvez très bien l'acheter toute faite. Hein. Moi je l'ai faite parce que j'en ai pas dans mon frigo. Et puis que c'est tellement plus simple de la faire soi-même. Je la fais au iCooking, ça prend 2 minutes. Et donc là, je vais l'étaler en carré parce que je fais une tarte, je vais la cuire dans une tarte carrée. Coucou Églantine. Je vais quand même aller chercher ma farine. Voilà, donc j'utilise toujours cette saupoudreuse. Hein. J'ai toujours de la farine pour... Dedans, ça me permet de saupoudrer les plans de travail, de saupoudrer voilà, les toiles de cuisson, de saupoudrer quand j'ai besoin. C'est bien pratique et ça évite d'en mettre partout. Donc là, par contre, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Alors, je vais discuter pendant que j'étale ma pâte. Je vous disais, je vais faire une tarte carrée. Et puis, s'il reste de la pâte, je ferai peut-être un grand rond ou deux. Mais l'idée, c'était plutôt de faire une familiale ce soir, selon les envies. Et là, je suis partie toc, avec une pâte qui est assez épaisse. Donc, j'ai mis dans ma pâte brisée 300 g de farine. 50 g d'œuf, 50 g d'eau et puis 150 g de beurre. Voilà. Donc je vais la cuire dans ce moule-là, qui est le moule la tarte carrée cannelée. Et donc j'utilise pour ça mon moule. Mon rouleau à pâtisserie qui définit les tailles des emprunts, les épaisseurs de pâte.
pâte est parfaitement élastique, j'ai aucun souci pour foncer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous racontez ce soir? Coucou Émilie. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pluvieux, mais bon, quand même. Vous voyez ce que je fais? Ouais, là, ça sera mieux. Voilà, donc j'ai ma pâte. Alors, il faut savoir que les pâtes brisées, sablées, etc., il faut essayer de les pétrir le moins possible, parce que plus on les pétrit, plus elles vont devenir élastiques. Voilà, on essaie de pas trop les pétrir. Je récupère toujours mon ustensile, ma corne, et là je vais couper les bords. Donc si vous avez un couteau plastique, vous pouvez utiliser le couteau plastique. Moi j'utilise ça parce que j'ai ça. Et qu'il ne faut pas utiliser de vrais couteaux sur le flexipan plat, sur le flexipan, pour éviter de les couper, évidemment. Voilà. Donc on peut les couper plus ou moins au ras de la tarte pour voir bien les canures, ça peut être joli. Donc là, ce n'est pas un flexipan air, c'est un flexipan inspiration. Donc ça va cuire quand même très bien. Mais j'aurai pas cet effet cuit, j'aurai moins cet effet cuit dessus-dessous, comme on peut avoir avec un flexipan air. Voilà. Donc j'ai ma pâte à tarte. Et puis là, mon fond de tarte et ma pâte à tarte, je pense que je la réétalerai. Et en fonction des quantités qu'il me restera, je vais voir si je fais un grand rond avec ou pas. Donc je la place directement sur ma plaque perforée. Et puis je vais la mettre au frais en attendant. Donc ça c'est fait. Ensuite, on s'attaque à la préparation. Donc la préparation, ça va être très simple. Il va s'agir... Je retrouve mes recettes. Ils sont là-bas. Et mon cul de poule. Je ne l'ai pas sorti. Voilà. Voilà, ça ira mieux avec les recettes quand même, même si... donc c'est une pâte, une préparation de quiche, hein, donc il n'y a pas de grand miracle dans ce, et de grandes difficultés dans cette recette. On va mettre 20 cl de crème fraîche, 20 cl de lait, du sel, du poivre, 50 g de parmesan et 3 œufs. Donc je vais peser 20 cl de crème, ça fait 200 g, hein, quelque chose près. C'est pas... Voilà, décidément, j'étais pas prête là ce soir. Donc, 200 g de crème fraîche. On va mélanger. Voilà. J'ai dit 3 œufs. Donc là, comme je disais en début de recette, je vais relever un petit peu la tarte avec, donc qui sera une tarte d'Inde, brocoli, avec un petit peu de chorizo. J'ai posté une recette sur le club de brocoli, tarte brocoli camembert également. Donc c'est pareil, le camembert apporte un petit peu de goût. Vous pouvez y mettre aussi du roquefort, on peut y mettre tout un tas de choses. Donc, toujours ma cuillère magique, vous l'avez reconnu, hein. Je l'utilise en permanence. En fait, dès que je cuisine à la main, j'utilise cette cuillère magique. Je rajoute 200 g de lait. Donc,
Donc, je ne sais pas si c'est l'habitude que vous avez de mélanger du lait et de la crème dans les quiches. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais généralement parce que ça permet de l'alléger un petit peu. Je sais que les recettes de quiche traditionnelles des bouquins de recettes donnent plutôt que de la crème fraîche, hein, mais là, ça permet d'être un peu plus léger quand même. Donc, on va rajouter un peu de poivre, pas trop, parce que si je mets la semoussade, ça va donner du goût, du sel, de la muscade. Donc toujours, hein, je vous l'ai déjà montré, mais ma râpe à muscade, cette fois je ne vais pas la démonter comme j'ai fait une fois devant vous. Mais voilà, en quelques brins, donc j'ai deux ou trois noix de muscade dedans. Et en quelques tours de moulin, j'arrive à avoir des graines de muscade. Je ne m'embête pas. Et surtout, ma muscade se conserve et garde toute sa saveur. Voilà, je vais y rajouter mon parmesan râpé. Alors, ce que je ferai plus tard, je le ferai plus tard le parmesan. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si je le mets là, le parmesan maintenant dans ma préparation, je vais me retrouver avec avec le parmesan au fond, et quand je vais verser, il faudra que je le répartisse un peu mieux. Donc là, je verserai ma préparation de quiche dans mon fond de pâte. Je saupoudrerai de parmesan par-dessus et ainsi que la viande. Je vais juste attraper une planche et un couteau. Je découpe le blanc de dinde. Donc le blanc de dinde, comme je vous le disais, je l'ai conservé sous vide jusque-là. C'est un blanc de dinde que j'avais acheté pas ce week-end, mais le week-end précédent. Donc souvent j'achète chez le boucher des gros blocs de dinde. Et voilà, je les conserve. Je peux les conserver jusqu'à 10 jours sous vide. Et ensuite, un peu plus longtemps, une fois qu'ils sont cuits. Donc là, je vais le hacher comme ça. On pourrait le faire au tornado. J'ai pas envie que ça fasse de miettes, donc je préfère le faire au couteau. Et on peut aussi le faire au tornado pour aller plus vite. Gâteau réussi pour Corinne à Napolitain. C'est gourmand ça. J'ai même pas fait de gâteau moi ce week-end. J'ai fait du pain. Alors je sais que certaines d'entre vous On cherchait à deviner mes préparations du week-end. Je vous avais posté les pâtes en pousse. Donc ce week-end, en fait, j'ai fait, pour celles qui n'ont pas vu, vous verrez sur la page, j'avais posté une photo de qu'est-ce qui se prépare dans ma cuisine. Et en fait, j'avais trois pâtes levées. J'avais du pain de mie, des brioches et du pain sans pétrissage. Alors ça y est, hein, le pain sans pétrissage, il est complètement, complètement adopté. C'est vraiment génial. J'ai testé en petit pain, j'ai testé en baguette et j'ai testé en pain, en gros pain, en miche en fait. Ça y est, c'est recette adoptée. Et puis donc mes traditionnelles brioches que je fais régulièrement pour les petits déj, et j'ai fait également du pain de mie parce qu'on n'avait plus de pain de mie et on n'avait plus dans les supermarchés. Donc je l'ai fait moi-même. Finalement, c'est pas plus mal et il est très bon ce pain de mie. Allez, Zou, je vais piquer un petit peu la pâte. Donc là, il ne faut pas trop appuyer, hein, pour pas abîmer le flexipan. On pourrait aussi faire cuire le fond de pâte seul, mais bon, là, c'est une recette rapide. Voilà, donc je verse ma préparation.
finalement, il m'en restera pas. Je verse mes blancs de dinde. Faut pas que j'oublie mes brocolis, hein, parce qu'à la base, c'est une tarte aux brocolis quand même. Toc. Voilà, donc j'avais l'équivalent d'une escalope hein, de dinde. Il faut que je verse mon parmesan. Donc le parmesan c'est 50 grammes, mais je vais garnir juste comme ça. Pour ne pas mettre forcément trop, je vais chercher mes brocolis. Donc les brocolis, je les ai cuits au cuivapeur. Donc, vous voyez, cuivapeur du high cooking. Et là, on va y mettre des petits bouquets qu'on va disposer au fond de la tarte pour faire une jolie tarte, hein, tant qu'à faire. On en met plus ou moins en fonction du rendu qu'on veut et du goût de brocoli qu'on souhaite. Et puis voilà, ça sera fini. Toc. Coucou Manon. Hop. Donc je la cuirai tout à l'heure pour pas mettre le four en route et pour pas faire de bruit. Le seul bruit que je vais vous faire, c'est que je vais mixer mes brocolis pour la suite de la recette, enfin pour la seconde recette. Toc. Voilà, ça touche à sa fin. Je n'ai pas oublié de rajouter un petit peu de soubressade. Et ce sera terminé. Alors là, pendant la cuisson, je vous ai probablement déjà donné cette astuce, mais je la redonne au cas où certaines n'étaient pas là. Ça va probablement nécessiter que je couvre la tarte d'une toile de cuisson pour éviter que les brocolis ne crament. Que là les têtes ressortent, donc pour pas qu'ils crament. Allez, ça ira. J'y rajoute ma soubressade, donc ça c'est spécial dédicace à l'Espagne, j'en mets pas trop. Là c'est un test hein. Je fais vraiment les brocolis, alors vapeur à la high cooking, je les ai mis 25 minutes Corinne. Donc moi sur le high cooking j'ai une recette préenregistrée, mais sinon tu la trouves sur le club, c'est la recette des chefs de Guy Demard tout simplement. Donc il faut le couper en petits bouquets et puis et le mettre en cuisson vapeur. Après à la cocotte hein, si vous avez, c'est 5 minutes hein. Pas qu'ils soient non plus trop cuits. Oui, alors je disais, c'est complètement un essai. Encore une fois, on fait que les cobayes. Mais je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Et puis, voilà, ça m'inspire. Alors, je teste. On verra bien ce que ça donne au rendu. Je n'ai jamais fait en tarte le brocoli. Et bien moi, je le fais que comme ça, Coralie, parce que... Ben ouais, je trouve que c'est pas un légume dont je raffole cru, enfin cru nature comme ça. Donc et puis j'ai pas le réflexe d'épurer par exemple. Et voilà, donc ma pâte est prête. Elle doit cuire 30 minutes à 180 degrés. Donc je vais la réserver. Et puis je la mettrai à cuire tout à l'heure en même temps que mes flans de toute façon. Je vais préparer devant vous. Je vous la montre quand même, avant de la mettre à cuire. Toc. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne veux pas trop lâcher parce que si j'ai si je l'échappe, si ça penche. Voilà.
Voilà ma tarte. Donc en plus c'est coloré. Donc ça va être joli. Voilà pour la première recette. Donc pour la deuxième recette, ce sera un flan en fait de brocoli avec les restes de brocoli. Donc il me reste quelques bouquets et il me reste surtout de la queue du brocoli. Donc pour éviter de gaspiller, puisque c'est la partie moins noble, je ne sais pas si vous avez l'habitude de la manger, mais bon, moi ça m'embête de la gaspiller. Donc en fait, j'utilise cette recette-là pour pouvoir utiliser toute cette partie-là. Donc la queue du brocoli et puis les sommités, là, les petites fleurs que j'ai pas pu utiliser dans la tarte. Je vais me faire un petit peu de place. Et là, on va essayer de faire quelque chose de joli aussi à la coupe. Donc l'idée, c'est dans le parmesan, je n'en ai plus besoin. Donc on peut la faire cette recette soit dans les briochettes que vous avez vues déjà il y a quelque temps et dans lesquelles j'ai fait par exemple les asperges, donc c'est le même principe. Sauf que là, on va essayer voilà, un bouquet et puis de le mettre comme ça, de le disposer comme ça au fond de la briochette. Je vous montre au fond de la briochette pour que quand on découpe ou dans ce sens-là, en fonction de comment vous servez votre briochette à l'endroit ou à l'envers, mais moi je la sers comme je mets la tête en bas et puis je sers ma briochette comme ça quand je découpe, j'ai la coupe de la fleur de brocoli aussi, c'est joli. Mais là, par rapport aux quantités, puisque c'est aussi pour nous faire des. J'hésite. Non, mais je vais le faire dans les grands ronds. Donnez-moi votre avis, tiens, je fais dans quoi? Est-ce que je le fais dans les grands ronds? C'est vous qui allez choisir ce soir. Dans quoi je mange? Dans les grands ronds ou dans les briochettes? Dites-moi, c'est vous qui choisissez. Pendant ce temps-là, moi je vais chercher six jolies têtes de brocoli. Et puis. Le reste, je vais le mettre dans le egg cooking pour le mixer. J'attends vos réponses. Grand rond pour Estelle. Bonsoir Estelle. Alors, qui dit mieux? Ma ferme. Est-ce que tout le monde est d'accord pour grand rond? Ah, briochette, évidemment, Evelyne, ça fait un partout. Comment je fais, moi, maintenant? Toc, je continue avec mes brocolis, en attendant. Après, bon, on pourrait, mais je vais pas salir 36 moules, hein. On pourrait faire un de chaque. Allez. Toc. Briochette pour Corinne. Alors, briochette, j'en ferai plus. Et ce sera effectivement plus joli. Pas grave, j'ai les deux, dit Estelle. Ok. Bon, allez, Estelle, si vous m'en voulez pas, ça sera briochette. À la majorité de celles qui auront répondu. Briochette, Coralie. Allez. Donc, briochette. Voilà. Donc je pose ma fleur de courgette au fond, mais je le ferai plus tard. J'en ai réservé 1, 2, toc, 3, 4, allez, 5. Il m'en faudrait 8 idéalement, mais j'ai pas assez de fond là, de brocoli pour faire la totalité et la recette est donnée pour 8 personnes donc j'en ferai limite 6. Allez, 6. Et le reste, je vais le mettre dans le bol du iCooking pour mixer tout ça. Est-ce que je peux vous amener avec vous avec moi? Non, je ne peux pas vous amener avec moi. Donc je vais aller, je vous tourne. Non, allez, je vous abandonne 2 minutes. Enfin, 30 secondes histoire de mixer mon brocoli. J'essaie de tourner comme ça, vous êtes avec moi. Toc. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Mais voilà, donc je mixe juste les brocolis dans le
dans le bol du iCookie. Donc j'y avais mis la queue hein, du brocoli également. Je dois avoir là 250 g de brocoli qui mixe. Et la recette est donnée. Elle est où ma recette? Elle est là, 550 g de brocoli. Donc j'ai un peu moins que ce qui est sur la recette. Et du coup ça toc. Alors là comme ils sont pas du tout liquides, j'ai pas du tout de liquide dans le bol. Je vous retrouve par là. Toc. Me revoilà. Voilà, je débarrasse ça. Je vais garder le même cul de poule puisque c'est à base de même type d'ingrédients. Puisqu'on va faire bah, le flan, hein, c'est à la base, c'est une base également de crème et d'œuf. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 100 g de crème fraîche, de 2 œufs, de poivre et de brocoli. On peut y ajouter si on souhaite une échalote. Mais bon, j'ai plus d'échalote. Donc on peut aussi faire revenir une échalote et l'ajouter au brocoli. Donc bon, là je préchauffe pas mon four. J'ai versé mes bouquets dans les empreintes. Je vais y mettre, j'ai laissé ma spatule là-bas, décidément je fais beaucoup d'aller-retour ce soir. Je vais y mettre mes brocolis, j'y mets mes brocolis, j'y mets, donc, pas d'échalote comme le dit la recette, j'y mets ma crème fraîche et mes œufs. Donc crème fraîche, on a dit 100 g. Donc là, contrairement à la préparation de la quiche, ça va être très, comment dire, beaucoup plus épais. C'est beaucoup moins une préparation comme une quiche classique, quoi. C'est le poivre évidemment, muscade. Donc là je ne vais pas y mettre de soubressade ou quoi que ce soit parce qu'en fait ça va être un accompagnement. Donc déjà qu'il y a un peu de protéines avec les œufs. Et là je n'en rajoute pas. J'ai l'impression d'avoir fait tomber un bout de coquille. Oui. Alors ça, donc là ça va, mais
Généralement, ça vous est tout arrivé, je suppose, quand on fait tomber un morceau de coquille dans de la pâte ou dans l'œuf, c'est toujours super compliqué à aller chercher. Mes 2 œufs. Bon, les briochettes, visiblement, font l'unanimité, hein. Voilà, donc je rajoute sel, poivre. Là, je peux y aller parce que j'ai rien d'épicé à l'intérieur. Et muscade. Bonsoir Laetitia. Et voilà. Ma préparation. Donc je vais glisser ma plaque perforée sous mon moule. Récupérer mes petits morceaux de brocoli et remplir mes empreintes. Donc là, je vais voir. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas. Voilà. Donc. Alors, je le redis pour celles qui ne le sauraient pas. Je sais que la dernière fois, quand je l'ai dit, ça a aidé certaines. Vous pouvez, pour voir l'écran tout entier et surtout voir la préparation, glisser les commentaires vers la droite. Comme ça, vous ne les verrez plus, mais vous verrez l'écran en entier. Alors, on ne remplit pas jusqu'au bord parce qu'il faut derrière y glisser la fleur de brocoli. Et je réajusterai plus tard. Je vais peut-être en faire 7. Là, je glisse mes fleurs de brocoli au fond. Donc. Six. Je vais compléter un petit peu pour que les fleurs soient recouvertes et ce sera impeccable. Et voilà, donc c'était bien ça, 6 briochettes. Et donc j'avais un peu plus de 200 grammes, je devais avoir 300 grammes de brocoli. Je vous mettrai la recette complète avec les pesées originales, hein, de toute façon. Mais là, moi j'avais, vous voyez, avec un brocoli, j'aurais fait mes 2 recettes, la quiche. La tarte plutôt et les flans. Et voilà le résultat. Donc ça, je vais l'enfourner 30 minutes à 160 degrés. Je vérifie quand même. 20 à 30 minutes à 160 degrés. Et donc là, c'est bien précisé dans la recette, mais c'est ce que je vous disais pour éviter que ça ne crame sur le dessus, que ce soit pour la tarte. Que ce soit pour la tarte qui est là, pour celle qui arrive, et ou pour le... J'essaie de vous la montrer en entier. Voilà, pour la tarte. Ou bien pour les flancs de brocoli qui sont là, à mi-cuisson, ou quand on voit que ça dort un petit peu sur le dessus, on recouvre d'une toile de cuisson, et ça permet de poursuivre la cuisson à cœur. Je vais faire des bêtises avec ma tarte. Ça permet de poursuivre la cuisson à cœur et de ne pas cramer le dessus de nos préparations. Alors tiens, j'ai une petite idée. Ce que je vais rajouter, c'est que je vais saupoudrer un petit peu de parmesan. Donc ça, c'est mon parmesan que j'ai depuis le 13 mars sous vide. Donc c'est mon bloc de parmesan que j'ai râpé, enfin, mixé on va dire, White Cooking, et que j'ai
que je conserve sous vide. Vous voyez, je mets la date, 13 mars. Et comme ça, je le conserve, il se conserve bien, il ne moisit pas. Et puis, j'ai mon parmesan râpé maison, qui est quand même beaucoup moins cher que le parmesan râpé qu'on achète tout fait. Et bien voilà, donc mes repas du soir sont prêts. Ça fait une demi-heure que je cuisine avec vous. Et bah donc j'ai fait deux repas, une tarte et des flans. Donc la tarte qui va me faire un repas complet. Et puis mes flans qui pourront me faire un accompagnement, flan de brocoli, avec des brocolis à l'honneur ce soir, pour pouvoir faire manger aux réticents. C'est ce légume. Je pense pouvoir dire qu'il n'a pas forcément énormément de succès auprès des jeunes. En tout cas, moi, j'en avais pas mangé jeune, j'avais pas le souvenir d'en manger. Je vous mettrai comme d'habitude la recette en post en suivant, avec la photo de la préparation toute cuite et de la préparation cuite, des préparations cuites comme d'habitude. Et puis, si vous avez aimé ce live, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre, même en replay, à regarder en replay, et puis à partager pour me faire connaître, et puis pour faire connaître tous ces lives et tous mes partages de recettes au quotidien. Je vous dis donc du coup à très bientôt. Je sais pas quand, je me suis un peu reposée ce week-end, donc j'ai pas fait de plan sur la comète. Non, puis j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent. Donc si vous avez des idées, encore une fois, de live ou des envies de choses que vous voudriez voir cuisiner ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le demander. Certaines ont déjà envoyé des photos de leur réalisation, ça me fait super plaisir. Je prépare un post pour faire un mix de tout ça, donc je les mettrai à l'honneur sur ma page. Continuez à les envoyer, vous pouvez aussi les poster directement en commentaire, et comme ça vous montrez à tout le monde que c'est faisable et que vous pouvez réaliser la recette en suivant. Deux infos, donc aujourd'hui jusqu'à minuit, il y a toujours la possibilité d'avoir 10 € de réduction sur votre première commande à partir de 59 € d'achat sur la boutique. Si vous voulez en bénéficier d'une réduction un petit peu plus tard, vous pouvez me faire part de votre adresse mail, et toujours sur votre première commande, vous pourrez avoir 5 €, mais cette fois sans limite de date et sans minimum d'achat. Et la deuxième information que je tenais à vous rappeler également, c'est que Guy de Marle s'est associé à la Fondation de France pour reverser des fonds aux hôpitaux de France par le biais, je cherche mais j'en ai pas de sortie là, c'est pas bien du tout, par le biais des bracelets de toile de cuisson. Donc vous pouvez les commander sur la boutique avec votre commande classique, ils coûtent 3 €, et chaque euro reversé chaque euro sera reversé aux hôpitaux de France. Alors Evelyne, tu me demandes si c'est cumulable. En fait, je vous ai dit une bêtise la dernière fois. Visiblement, c'est pas cumulable. On avait compris, le bon de 5 €, il nous était dit qu'il était cumulable, mais il n'est pas dit cumulable avec les 10 €. Donc, si vous voulez commander avant ce soir, ce sera 10 € de réduction. Si vous voulez commander, si vous ne pouvez pas commander avant ce soir, je vous enverrai par mail. J'ai besoin de votre adresse mail, en fait, pour vous parrainer. Et ensuite, vous recevez un mail de Guy de Marle qui vous donne un code pour un bon de réduction de 5 €. Voilà, c'est malheureusement pas cumulable. Voilà pour les infos. Je vous dis, je cherche un bracelet, mais j'en ai. Si, je vais vous en chercher un quand même. Ils sont pas loin. Forcément, ils sont rangés avec des toiles de cuisson. Voilà, il est là. Je vous montre ce bracelet quand même, avec les toiles de cuisson. Donc ces bracelets sont vendus 3 €. Il y a marqué bonheur dessus, et ils servent à pouvoir rouler et tenir des toiles de cuisson. Donc là, j'en ai 3 ou 4 qui sont ensemble. Ils sont vendus 3 €, et chaque euro est reversé aux hôpitaux de France pour financer, les aider un petit peu dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, si vous commandez, n'hésitez surtout pas à en rajouter un ou deux dans votre commande, ou plus pour vos amis, pour en faire des cadeaux. Voilà, faites-vous plaisir et faites un don du coup, par la même occasion, aux hôpitaux de France. Je m'arrête là. Corinne nous dit, Didier nous prépare les endives braisées qu'il avait mis
dans son bocal sous bisseine. Ah, okay. Puisque Corinne et Madame C, que j'ai cité sur mon sur ma page, dont le mari ne fait pas de lessive, mais utilise son bisseine. Désolée Corinne, je te trahis. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon appétit pour celles et ceux qui vont bientôt passer à table. Restez chez vous, prenez soin de vous. J'espère que tout le monde va bien et que vous n'êtes pas touchés par ce virus. Je vous dis à très bientôt en live ou pour ceux et celles que je croise, à très très bientôt. Voilà, je vous embrasse. Bye!